Eh bien, yop tout le monde, c'est Xeosix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, pas de gaming, ni de, enfin, pas de gaming plutôt, ouais, pas de Clash Royale, ni Call of Duty. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rec sur votre Samsung Android plutôt. Vous rendez dans le Play Store. Donc, c'est l'appli s'appelle Mobizen. Donc, après, dans la barre de recherche, vous cliquez, vous écrivez, pardon, Mobizen. Donc, je l'écris avec vous. Mobizen, c'est déjà écrit. Pour ceux qui ont Samsung, ben, il y a ça. Donc, c'est écrit pour Samsung. Mais on va chercher dans Mobizen, mais même si j'ai un Samsung. Donc, là, si vous n'avez pas de Samsung, vous avez plein de trucs. Donc, je pense que pour ceux qui n'ont pas de Samsung, comme Wiko, etc. Franchement, je pense que c'est le. Vous prenez quand même celui qui est marqué Samsung, essayez quand même. Parce que moi, j'ai pas de Wiko, donc voilà. Après, vous mettez installer l'application. Donc, dès que l'application est finie, donc vous rendez dans l'accueil de votre téléphone. Ensuite, vous cliquez sur Mobizen. Donc voilà, là, vous avez le truc. Là, vous avez ça qui s'affiche. Donc, ensuite, là, c'est le truc des vidéos. Donc, bon, je vais même supprimer celle-là, effacer, voilà. Donc, ici, dès que vous récupérez une vidéo, elle s'enregistre là-dedans. Après, si vous voulez la mettre sur YouTube, on peut monter la vidéo aussi. Enfin, ce sera marqué, bref. Ensuite, là, il y a les paramètres, donc pour le visage cam, pour voir votre filtre, votre tête, excusez-moi. Le filigrane pour avoir, normalement, c'est des filtres, je crois. Ouais, je suis pas trop allé dessus. Compte à rebours, donc 3 secondes, par exemple, vous pouvez mettre 5 secondes, 10 secondes, etc. Mais bon, je pense que 3 secondes, ce serait vraiment le mieux. Temps d'enregistrement, stockage, ajout, etc. Des trucs comme ça. Version de la pluie, donc ça, on s'en fout un peu. Ouais, voilà. Donc, pour récune... Enfin... Quand vous voyez l'émoticône, enfin le pas les enfin ouais le logo plutôt, le logo que je tourne, c'est le logo Mobizen. Dès que vous allez cliquer sur le Mobizen là ça, dès que vous allez cliquer dessus, ça votre téléphone va vibrer un gros coup et genre ça va sortir et ça va se mettre sur votre écran, donc vous pouvez balader un peu partout, le mettre par exemple ici, mais moi je vais mettre ça ici. Donc quand vous allez avoir l'émoticône, vous cliquez dessus. Donc là, il y a pour prendre une photo. Voilà. Là, il y a pour. Ah non, j'ai cru que ça avait mis pause, excusez-moi. Donc là, il y a pour. Là, il y a. Vous voyez le. Au-dessus de pause. Au-dessus de pause. Tout, le logo tout au-dessus. Ça, c'est le logo quand on rec. Vous cliquez sur. Il va y avoir une. À la base, sur le logo carré, là, tout au-dessus, il y a une caméra à la place du carré. Et genre, vous cliquez dessus. Et puis, pour arrêter donc la vidéo, vous cliquez dessus, pareil. Pour mettre pause, ben, c'est pause, voilà. Et puis là, vous pouvez prendre des screens normalement, voilà. Donc. Après, je vais vous montrer déjà. Alors, un truc, parce que. Excusez-moi. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc Mobizen va commencer à capturer tous les contenus affichés à l'écran. Donc vous mettez soit ne plus afficher, comme ça commence direct. Moi j'aime bien quand même afficher, on ne sait jamais. Bref, donc je mets commencer, vous cliquez sur commencer. Et genre après il va voir le compte à rebours. Donc vous voyez, je sais pas trop si on voit, voilà. Donc vous voyez le cercle qu'il y a, c'est quand on appuie sur la caméra. Donc après du coup ça commence à, ça va enregistrer, puis ça va vous mettre le message là. Donc après vous mettez commencer. Donc après vous retournez au menu d'accueil. Et donc voilà, donc vous pouvez enregistrer par exemple du Clash Royale, donc je vais sur mon compte. Donc voilà. Alors ça commence, voilà, donc vous voyez que ben comme dans les précédentes vidéos, j'enregistre avec ce truc là, donc Mobizen. Donc tous les coffres qu'il y a, donc c'est pour un pack opening, vous inquiétez pas, ça va arriver comme je l'avais dit dans une vidéo. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour.
Sur toutes les applications, ça marche. Instagram, Snapchat, Skype, tout. Ça marche avec tout. Ouais, ça marche avec tout. Donc voilà. Donc je vous conseille cette application si vous êtes sur Android pour régler vos gameplays parce que franchement, c'est le top. C'est franchement, on peut même monter là, une vidéo à partir de MobiZen. Mais bon, faut que j'ai une vidéo déjà en cours, enfin déjà une vidéo enregistrée. Donc là, je sais pas si je l'ai dit, ici, là, l'étoile, c'est pour télécharger des jeux. Comme ça, vous pouvez faire des gameplays dessus et pouvoir les mettre après sur YouTube. Et donc voilà, je trouve que cette application, franchement, est vraiment bien. Ou si j'ai, pour ceux qui sont sur iPhone, pour ceux qui sont sur iPhone, je vais mettre le lien d'une chaîne dans la description. Qui a fait une vidéo dessus comment Rec son téléphone avec une application qui s'appelle AirShoe. Donc si vous savez pas voilà vous cliquez vous je mettrai le lien de la description lien de la chaîne dans la description. C'est Freezyx26 qui a fait cette vidéo donc pour montrer comment Rec avec un iPhone. Donc lui il a un iPhone, moi j'ai un Android, etc. Bref. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Après le logo, vous pouvez l'enlever. Ah non, c'est après, voilà. J'ai oublié. Donc là, quand vous réquez le logo, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas. Donc si vous voulez l'enlever, le logo, il faut arrêter de réquer. Et genre, vous descendez et genre, il va y avoir une croix qui va descendre qui va descendre et genre vous aurez plus qu'à bah, laisser dans le rond et puis normalement il devrait s'enlever. Et aussi si vous voulez en savoir un peu plus dans les modifications tout ça, normalement quand vous le téléchargez après vous rentrez dedans tout ça, il va vous expliquer un peu comme il va vous expliquer un peu le on va dire c'est un didacticiel avec des messages, donc vous aurez juste à lire les messages et normalement ça ira tranquille, vous pourrez tranquillement connaître, on va dire parfaitement l'application pour pouvoir réquer ces vidéos Clash Royale. Après, ouais non, par contre cette application marche que sur téléphone. Hein. Je tiens à le repréciser pour ceux qui avaient un doute. C'est, j'ai jamais vu de MobiZen par exemple sur ordi tout ça. Je ferai peut-être une vidéo sur comment réquer une vidéo sur ordinateur. Mais après, le problème c'est que faut acheter des logiciels de montage comme Cyberlink Power, machin. Et franchement, ça coûte assez cher. Donc voilà. Bon, je vous retiens au courant pour ça. Et puis bon, je pense que j'ai fait le tour là. Je peux, ouais, c'est bon. Bon, ben, je pense que ça vous. J'espère que ça vous a. J'espère, pardon. Que ça pourra vous aider pour pouvoir enregistrer vos gameplays Clash Royale ou alors Boom Beach. Je donne des exemples Clash of Clans, des jeux de téléphone quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis ben on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et puis là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un like, à lâcher des. À, pas lâcher des pouces bleus encore, je viens de le dire. Abonnez-vous. Voilà, etc. Vous connaissez. Bon, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et puis, à plus. Ciao, peace.